Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un point commun entre plusieurs artistes, des DJ producteurs de très haut niveau. Donc certains qui peuvent te parler, ça peut être Angerfist pour du hardcore, ça peut être Tiesto, ça peut être Deadmau5, peu importe. Quand tu regardes les DJ à très haut niveau, ils sont aussi producteurs. Alors, producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, ils vont composer eux-mêmes leurs propres morceaux, peut-être qu'ils vont faire aussi le mixage et le mastering, ou alors ils peuvent déléguer le mixage et ou le mastering à des ingénieurs qui vont être indépendants de leur projet de compo à la base, ou alors ils peuvent faire ce qu'on appelle de la ghost production en anglais. Ils peuvent en fait déléguer, si tu veux, la composition des morceaux à une personne, à un artiste, à quelqu'un de leur équipe. Mais dans tous les cas, ils vont être producteurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir présenter à leur audience des morceaux sous leur propre nom, encore une fois, qu'ils les aient composés eux-mêmes ou pas. L'idée de ça, en fait, de pouvoir présenter des morceaux en plus d'être DJ, bah, c'est tout simplement déjà d'avoir une signature musicale qui est unique, leur sonorité, leur son, le choix en fait des ingrédients et de la façon de composer leurs morceaux vont faire tout ça. Ça va faire en sorte qu'ils aient vraiment une signature qui soit unique, et c'est en ça qu'on va les distinguer des autres artistes. C'est pour ça qu'on va les écouter sur scène, parce qu'on n'a pas forcément envie d'entendre toujours la même chose ou toujours les mêmes idées, les mêmes structures musicales, les mêmes sonorités en termes de sound design, de kick ou de lead ou de n'importe quel type d'instrument. Donc, si tu veux, le gros point commun en fait à ces DJ hein, qui sont vraiment, on va dire un peu les rockstars, hein, les personnes qui sont le plus haut dans le game en fait de la musique, et ça encore une fois, quel que soit le style musical, hein, techno, hardcore, trance, même sur plein d'autres styles musicaux, ça fonctionne comme ça. Hein, c'est ce qui permet vraiment de vivre aussi de sa musique, d'avoir les deux compétences de DJing et de production musicale. Donc ça, si tu veux, c'est un petit peu ce point commun, en fait, si tu veux, c'est vraiment le créneau qui me fascine le plus et qui m'intéresse le plus et que j'essaie de partager. Enfin, c'est même pas que j'essaie, c'est que je partage déjà ce point de vue et c'est les compétences qu'on peut mettre en synergie entre le DJing et la MAO. C'est ce que je partage donc sur la guerre des potards depuis plusieurs années. Et comme tu le sais, je suis formateur, j'ai créé des formations en MAO et en DJing. Je me suis aussi associé à mon partenaire Damien Rox, qui lui est venu apporter sur la guerre des potards plusieurs formations sur des techniques de mix DJ avancé et sur des aspects de music business pour tout ce qui est lié un petit peu plus au marketing musical, le fait de valoriser tes prestations pour pouvoir vendre tes cachets plus chers, pour pouvoir décrocher plus de booking, et finalement ça contribue largement au développement de carrière et pour vivre de ta musique. Donc si tu m'as suivi ces dernières années, tu as pu voir que sur la guerre des potards, il y avait quand même pas mal de formations. Il y en a un peu plus de 45 au total. Donc sur ces trois thématiques, donc MAO, tout ce qui est DJing de débutant à un niveau pro, et tout ce qui est lié aussi au music business, donc pour pouvoir gagner de l'argent avec ta musique. Et là, ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai regroupé toutes ces formations dans une masterclass qui s'appelle Masterclass DJ Producteur. Je te mettrai le lien en dessous dans la description si tu veux aller regarder à quoi ça ressemble. C'est tout simplement comme un gros package de toutes ces formations à un prix qui défie toute concurrence. C'est de très très loin, on va dire un petit peu hors norme. Hein. Je t'invite à regarder la description si tu veux en savoir plus. Mais en fait, dans ce pack, donc, tu as toutes les formations qui te permettent de passer de zéro à DJ producteur professionnel. Ça prend du temps, évidemment, hein, parce que là, si tu mets en application tout ce que tu vois dans ces formations, il y en a pour plus de 30 mois d'enseignement, hein, donc plus de 2 ans et demi d'enseignement. Donc c'est vraiment énorme. Bien sûr, tu n'es pas obligé de tout suivre. Tu peux consulter les formations à ta guise. Si tu veux apprendre à composer des mélodies, tu as une formation dédiée sur cette thématique. Si tu veux apprendre le calage tempo, tu peux le faire avec une formation qui est dédiée. Si tu as déjà des bases solides, par exemple en mix DJ, tu peux directement aller voir les formations sur les techniques plus avancées avec les effets, les combos, taguer tes playlists, comment
bien comprendre ton public quand tu mixes sur scène, en fait, au niveau de la psychologie du dance floor. Il y a tout un tas de thématiques comme ça qui sont abordées et qui te permettent de progresser complètement à ton rythme. Et tu sais, mon enseignement, il est 100% à distance, donc tu peux apprendre de chez toi à ton rythme. Donc en ça, en fait, ça se distingue des écoles traditionnelles qui peuvent être très bien dans certains cas, mais qui peuvent aussi apporter des contraintes. Par exemple, quand tu vas aller dans une école de DJ, une école de son, déjà c'est sur admission, tu dois présenter un dossier et donc tout le monde n'est pas admis puisque les places sont limitées. Ils ont des problèmes de enfin des problèmes, on va dire des contraintes plus exactement, qui sont liées à leur au fait qu'ils aient un local à payer pour pouvoir faire leur cours, tout simplement. Donc ils ont des frais supplémentaires qui viennent se répercuter chez les clients, donc chez les élèves. Donc nous, on n'a pas tout ça et ça nous permet aussi d'avoir des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus abordables pour la plupart des gens. Et pour un enseignement qui est, comme je viens de te le dire, en fait, il y a plus de 45 formations à suivre sur plus de 30 mois, donc c'est complet. Si tu démarres absolument de zéro, que tu vas apprendre à composer tes premiers morceaux ou à assurer tes premiers mix DJ en public, tu as tout ce que tu as besoin de savoir au sein d'un espace membre que tu peux donc consulter en illimité. À vie et à ta guise, et du coup tu peux vraiment progresser comme ça à ta façon et adapter en fait ton apprentissage sur mesure par rapport au niveau auquel tu es actuellement pour pouvoir progresser de manière optimale. Donc voilà, en quelques mots, aujourd'hui c'était une vidéo assez courte pour présenter cette masterclass. C'est vraiment le cœur de mon enseignement maintenant. Tu vois, ça fait plus de 11 ans maintenant que j'enseigne sur la guerre des potards et toutes les formations, tout ce qu'on a pu faire, voilà, tout est centralisé dans cette masterclass, dans ce méga pack. Donc il n'y a pas que les formations dedans, il y a aussi quelques outils, des ressources, il y a des banques de sons par exemple, il y a des checklists, il y a des outils pour t'entraîner, par exemple il y a un outil pour t'entraîner au calage tempo si tu débutes, donc c'est un outil que j'ai développé moi-même. Tu as énormément de choses, hein, je peux pas te passer tout ça en revue. En gros, le message, c'est si tu veux devenir DJ producteur, va regarder ça, ça peut vraiment complètement changer la donne. Encore une fois, au niveau du tarif, je pense que tu vas complètement halluciner. On est de l'ordre de à plus ou moins 20 fois moins cher que dans des écoles traditionnelles. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, il y a vraiment tout dedans, tout ce que tu as besoin de savoir. En plus de ça, je réponds à tes questions sous 48 heures par email si tu as des questions qui sont liées donc à ce que tu peux apprendre dans ces formations. Donc tu n'es pas totalement livré à toi-même et tout seul. Je suis là aussi pour t'accompagner. Donc voilà, tu auras le lien en description vers la masterclass. Et petite parenthèse, petit rappel aussi, je propose également des formules de coaching si vraiment tu veux qu'on aille plus en profondeur dans ton apprentissage de la MAO, du DJing ou des aspects un petit peu plus entrepreneuriaux et tout ce qui est lié un peu plus au music business. Si tu veux qu'on parle d'argent, de valoriser des prestations, de décrocher des bookings, de vendre tes morceaux, de les présenter à des labels, par exemple, toutes ces choses-là, on peut aussi en parler en coaching. Alors, la question que tu peux te poser maintenant, c'est quelle est la différence entre ces deux aspects de mon enseignement, entre la masterclass DJ producteur dans laquelle tout l'enseignement est sur support vidéo, principalement en vidéo, hein, mais il y a aussi des PDF, des audios et différents types de contenu que tu peux consulter comme ça à ta guise via l'accès à un espace membre. Et à côté de ça, donc, il y a les formules de coaching, en fait. Donc là, à l'heure où je te parle, je ne propose que du coaching individuel. On est juste toi et moi. Ce sont des sessions de 2 heures, comme ça on a bien le temps d'aller en profondeur dans les explications des thématiques que tu veux, hein, encore une fois, hein, ça peut être très très large. L'avantage du coaching par rapport à la masterclass, c'est tout simplement que je peux vraiment m'adapter sur mesure par rapport à ta situation, te donner des conseils qui vont être plus pertinents par rapport à ton style musical,
par rapport à tes outils, donc tes plugins, tes logiciels, et pouvoir vraiment comme ça te faire progresser de la manière la plus efficace possible en fonction du niveau auquel tu es actuellement et en fonction de tes objectifs. Voilà, j'espère que tout ça, ça t'a plu. Pense à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire des vidéos. Voilà, regarde dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour les liens. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner également et je te dis à très bientôt. Ciao!